Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous passer de la Deep House. Ah là là, je suis trop chaud avec ces enceintes-là. Elles me rendent fou, elles me rendent fou. Je les kiffe. Je les kiffe, les gars. Je vais vous passer de la Deep House. Franchement, le petit morceau de Deep House, il est... ça va descendre, et c'est bon, voilà. C'est bon, en fait, ces enceintes-là, les deux, franchement, les gars, les deux, j'arrive pas à les départager, en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que, autant que la RF7, ok, elle va avoir son petit côté un petit peu en retrait, mais elle a un côté qui est plaisant de ouf. En fait, toi, la caméra, à l'écoute de la vidéo, tu vas forcément trouver que la CF4 est plus présente, plus vivante, tout ça. Mais je te jure que la RF7, elle a un truc qui est démentiel. En fait, elle a un arrière grave là, qui est derrière. Je sais pas si tu vas l'entendre avec la Deep House là. Elle a un arrière grave qui est... C'est bon, tu vois, c'est... C'est très bon, je sais pas comment t'expliquer. Je te jure, je sais pas comment t'expliquer. Il y a que en te le faisant écouter que tu pourrais comprendre. Et là, t'as la... Et sur la CF4, en fait, c'est tout le grave. Il y a tout, il y a tout. Mais c'est différent, c'est différent, c'est ça qui est incroyable. Et tu sais que quand je mets les 4 en même temps, bah laisse tomber, les 4 en même temps, en fait je me dis, mais si je veux me faire un système, eh ben écoute, je branche toutes les enceintes ensemble, je me fais un système, voilà, j'en branche 20, voilà, les 20 elles sont alimentées comme ça, j'aurai le son wow, qui vient de partout, je pars dans des délires, mais. Franchement, c'est dingue ce que tu peux avoir déjà rien qu'en connectant les deux enceintes, les deux paires qui marchent ensemble déjà, mais waouh, c'est ouf. Je vais pas vous faire de vidéo avec les quatre qui marchent ensemble parce que bon, ça sert à rien, hein, j'ai envie de te dire, mais voilà. Mais là, sur le petit morceau House, ça va être bon, ça va être bon. Allez, je te fais écouter ce petit morceau-là, Deep House. Deep qui signifie donc dans les sous-bassements. Les sous-bassements des basses, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit Deep House. Come on! Hop là! We'll be right back.
signature sonore. Là, le petit moment un peu house, deep house, franchement, c'était stylé de ouf. Et tu sais quoi? Alors, regarde, je vais te dire un truc. Voilà pourquoi je te dis que moi, j'ai pas besoin de caisson de basse. Pour moi, le caisson de basse, il est inutile dans une configuration comme ça, parce qu'en fait, tout est là. Là, franchement, j'ai vraiment du grave à foison. J'ai une restitution sonore qui est stylée de malade. Et il n'y a pas besoin de caisson de basse, en fait, tu vois. C'est pour ça que pour moi, une enceinte, elle doit savoir tout faire. Elle doit savoir tout faire. Enfin, pour moi, après, ceux qui veulent une paire d'enceintes en rajoutant un caisson de basse, il n'y a pas de souci. C'est voilà, c'est une vision. De toute façon, c'est une vision des choses, une vision de l'écoute que tu veux faire avec ton système. Et là, moi, tu vois, pour l'amplification, donc c'est encore c'est mon Luxman qui tourne, mon Luxman M383. Ce bourre, il est efficace, ce bourre, il est très très efficace. Et justement, tu vois, j'ai aucun réglage de tonalité, j'ai même pas besoin de mettre de basse, j'ai pas besoin de baisser les aigus, il n'y a rien besoin de faire, tu vois, le son il est naturel et c'est comme ça que je l'aime, moi c'est comme ça que je le kiffe. Après, c'est sûr que si tu vas te mettre un peu de basse, ça va être, c'est sûr, ça va être un petit peu, ça va être surjoué. Et après, ton oreille elle s'y habitue, mais moi comme ça là, l'équilibre il est net et en plus. C'est, je pense que c'est le compositeur de la musique, c'est ce qu'il veut te faire ressentir en fait. Il veut pas te faire ressentir plus, moins ou quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà pour cette petite session Deep House, les gars. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, tu vois, j'ai bien kiffé. Hop, et là. Et bientôt, je vais devoir aller chercher Fiston à l'école. Donc on va se passer peut-être encore 3 musiques, quoique. J'ai encore 3 quarts d'heure devant moi avant de partir, mais quand même. Allez, on va se faire deux petites écoutes encore. Les gars, je kiffe vous faire les vidéos avec les CF4 et les clips RF7 MK3. En fait, tu vois, moi, c'est comme Noël, en fait. C'est Noël tous les jours avec ces enceintes-là. Enfin, avec la Hi-Fi, pour moi. C'est ça, en fait. La Hi-Fi me donne la joie de vivre, en plus de ma vie quotidienne, hein, parce que je suis quelqu'un de très positif. Je ne suis pas quelqu'un qui va broyer du noir, qui va être dans la déprime ou quoi. Même si dans la vie, il y a des choses difficiles. Hein. Les gars, il y a des choses difficiles. Faut qu'on se le dise, hein. je vous le dis honnêtement, c'est pas parce que vous me voyez sourire tout le temps à la caméra, tout ça, qu'il n'y a pas des trucs, des choses néfastes qui arrivent dans ma vie. Bien sûr que si, il en arrive chez tout le monde. Voilà. Mais dans ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut toujours donner des ondes positives aux autres et à soi-même. Et c'est comme ça que tu peux avancer dans la vie, tu vois. Quand je vois il y a des personnes qui sont là tout le temps en train de broyer du noir, bah forcément ça va pas aller en s'arrangeant, tu vois. Je suis pas un coach de vie, je suis pas un psychologue, mais voilà, avec l'expérience de la vie, voilà, j'ai une vision qui fait que bah je vois j'ai une pensée différente, voilà, un petit peu, tu vois, le côté philosophe qui ressort, mais voilà. Donc les amis, on va se passer notre musique, allez, c'est parti.